Serge Émotif Matt, Stéphane Dufour cette année. L'an passé, la grande vainqueur des Combiards. Est-ce qu'ils vont faire pareil avec les limousines? Wow, wow! Viens ici, Dess! Hey! Hey, Dess! T'es un petit peu, ils ont porté du bon bord. Comme ça. Prends back là-dedans. Prends back là-dedans, puis on pack les limousines comme ça. Il est nerveux, hein? Pour moi, il va faire, là. Vas-tu mettre du pont? Yeah! Allez, comme ça, OK? Hey, gros, je suis pas sûr d'être bon peur, là. OK, arrête ça, là. OK! Voici un ballon du sort, Journal de Québec! Hey, les inventeurs, Journal de Québec, un ballon du sort, commissaire sportif! Qui est avec nous autres! Calva la douceur! Journal du Québec! Oh, la porte vient d'ouvrir! C'est l'ancien journaux! Attends plus! La cochette porte, il est rouillé! On va essayer d'abord. OK, elle vient de fermer. Ça prenait les bras de s'en aller par là-bas. Les enfants sont là. Hey, elle va là-bas. Elle vient d'ouvrir encore. Albert Alousa, chroniqueur sportif du Journal de Québec. Dans une cour de centre d'achat, ça vient plus hystérique pour les parkings. C'est pareil! C'est pour ça que la misère à dimanche au Walmart? Exactement, comme ça. OK, nos quatre conducteurs des limousines! Vas-y, Stan! Alors, je sais pas, êtes-vous en forme? Est-ce que vous êtes au meilleur festival au Québec? C'est hot comme ça. Je suis content encore une fois de vous voir là. J'espère qu'on va vous donner un bon show.
Cette limousine-là a servi pour transporter Michael Jackson et deux petits gars de 8 ans. Alors, on va la scraper une fois pour toutes. Et il y a une tête ici que je veux faire rouler dans ce rond d'asphalte. Et c'est celle de mon co-animateur de 98 livres, Vincent Destessureau. En l'absence de certains députés, maintenant ministre Stephen Blainey, qui pas s'y a refusé cette année, il était rendu trop important, mais il a gagné l'an passé par à peu près 1 cm. Cette année, ben, je vais essayer de. En fait, Dupont a été facile à battre l'an dernier. Je sais pas pour Alban, je sais pas pour mes deux concurrents, mais finir deuxième, il n'y a rien de pire, c'est le premier des perdants, puis on va essayer de s'en prendre cette année. Voici Albert la douceur. Salut tout le monde, très impressionné de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Une très belle organisation. Alors, on va essayer de faire notre possible. Joanne et moi, on est des verts, on n'a pas d'expérience. Mais on est heureux de savoir qu'il y a une rivalité très forte entre Stéphane et Bess. Alors, ça va nous laisser de la latitude. Merci. Hey, salut tout le monde! Je suis vraiment, vraiment très fière d'être ici. Je représente la Beauce. Je suis la seule fille en plus. Donc, aujourd'hui... C'est célibataire, ben ici. C'est merci tout le monde! On touche au bloc! C'est merci! Oh! Hey, c'est rien, c'est incroyable! Tu prends ta mauvaise position encore!
Es-tu commentateur? Moi, j'ai sorti d'air. J'ai fait pas par une fille. Correct. Deuxième position, Albert La Douceur. Chroniqueur sportif, Journal du Québec. Merci tout le monde. C'est spécial. Je souhaite de vivre ça un jour. OK. Et en quatrième et en troisième position, Stéphane Dupont! Hey la gang, c'est le fun, je m'excuse. Je viens jamais dans la mentalité de gagner, mais de donner un bon show. J'espère, avez-vous aimé ça? C'est pas facile, c'est pas des véhicules neufs, on n'est pas des pros, mais on a du fun pour mettre nos trips. Je regardais Albert puis Joanne avant qui était tout nerveux, mais c'était la première fois. Je vais vous dire que c'est un trip de la mort d'essayer ça. Merci de nous encourager. Et voici la grande gagnante pour tous les célibataires de Saint-Raphaël, Joanne Beauseigle. Hey! Hey, je suis tellement contente là, d'être venue ici d'abord parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, en plus, grâce à vous, à votre support, d'avoir en plus remporté ce Demolition Fest! C'est là qu'on voit, c'est les femmes qui ont le pouvoir! Yeah! J'ai assez hâte de raconter ça à lundi matin à Gaston Cloutier au FM 101.3. Je pense qu'ils vont être fiers de la bombe! Yeah! Merci tout le monde! Bonne journée! Oh yeah! Tess! Un petit mot pour la fin! Elle est même pas si maganée que ça, ça me fait de la peine. Si du poids avait pas pesé 300 livres, j'aurais été capable de le pousser un peu plus. Mais je le donne à la demoiselle qui nous a vraiment pété la gueule. Fait que bravo aux Beaucerons qui ont encore battu tout le monde de la Rive-Sud et de la région de Québec. Et merci au bord à Jack. C'est toujours une expérience absolument extraordinaire. Puis c'est pas fini, à la prochaine.